بسم الله الرحمن الرحيم. لا والصلاة والسلام على رسول الله. Rappel du jour où les prophètes mouminent. Chers frères et sœurs, aujourd'hui troisième rosa. Banjoula passe vite et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ayyam ma'doudat. Banjoula, les comptables. C'est-à-dire, ne facile compter 1, 2, 3 jusqu'à 29 ou 30. Celui qui tient maximum profit dans sa mois-là, l'ien gagnant. Et celui qui en court en retard, vaut mieux lui prendre conscience et lui profiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ben ibadat qui nous fait dans deux jours-là, rosa. Et qu'il y donne nous encore motivation, désir pour faire plus encore banjo qui vient. Et qu'il y donne nous courage et l'énergie pour nous capables de faire tout ibadat au complet afin qu'il nous gagne récompense au complet aussi, inshallah. Toujours juste pour essayer de faire une quantité nous sommes présents dans le salat, imam dans le premier rakat finit lire une surah après surah al-Fatiha. Qui sera? Ça n'a connu. Imam, s'il y a une surah après surah al-Fatiha, qui sera? Hein? Exactement, Baqara. Encore une côte, troisième jour, Rosa. Premier jour, pareil, Baqara, deuxième jour, Alhamdulillah. Toujours nous rappelle, que ça n'a qu'à dire moi bienfait concernant surah Baqara. Un avantage, un bienfait, un l'importance. Faux. Bien bon. Tu me mérites une réponse encore. Et na barakat quand on dit mon lié surat al-Baqara. Et na barakat quand on dit mon lié surat al-Baqara. De l'autre côté, qui arrive si on dit mon nipali ali? Qui arrive lui? Les gars, pays édition. Les pays édition beaucoup. Les rates beaucoup. Pareil comme le Odunia, quand on dit mon, tu peux pas réciter de sa football là hier. Tu peux que tu zoom galoupé l'écran, tu peux que tu sa goal qui Salah mettait là, tu as tout payé dit beaucoup. Ça a donné à ça. Tu peux que tu zoom galoupé? Non. Je ne suis pas si imbécile pour moi le cave, que tu zoom galoupé, 11 à soi ou bien n'importe qui l'air, quand je connais des mots attachés, je vais dépenser ce temps-là dans la lecture du Coran. Pas une minute, pas 10 minutes, 90 minutes. Soyez honnête. Allah Ta'ala pour poser nos questions pour tout faveur qu'il y accorde nous. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Ça joue là dans le tribunal d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu peux être questionné pour tout faveur qu'il y accorde nous. Il donne nous le temps, il donne nous l'énergie, il fait nous réussir à atteindre le mois de Ramadan, mais dépense ça dans les autres petites choses, apporte l'obéissance à Allah, il n'est pas bon. Si mon papa est capable, essaye, entraîne moi-même vers l'obéissance à Allah. Dans un mois, côte la porte paradis ouverte, la porte l'enfer fermé, gros démon attaché, mon papa est capable de cultiver et discipline moi pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas mettre mon temps dans quelque chose qui parane moi aucune importance, profit, récompense, sawab. Si ça m'a pas fait dans moi là, c'est grave. Donc, profitez, moi nous encore, nous pouvons profiter, nous pouvons cause de Surah Baqara, c'est lui qui lit et lit, il gagne barakat, bénédiction, et c'est lui qui, pas lit et lit, il gagne perdition, il n'a pas gagné aucun profit. Et l'autre encore, c'est qui hadith fait mentionner, Inna shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi Surah al-Baqara. Certainement, shaytan l'a sauvé depuis la case, côté la lecture, Surah al-Baqara. Et nous disons Surah al-Baqara, qui rend y était dans le Coran? Zenis. Qui rend y était dans le Coran? Deuxième dans le Coran. Bien bon. Combien ayat y en a? C'est même surah qui est plus longue qu'il y en a dans le Coran. Hein? Combien ayat y en a? Hein? Masha'Allah. Alhamdulillah. 286. Bien bon. Alhamdulillah. Bon, ben, bons élèves. Deux ou trois jours, nous pouvons répéter. Alhamdulillah. Inch'Allah. Au sorti de Ramadan, on apprend quelque chose concernant le livre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça qui est important. Nous continuons avec nos leçons hier concernant zikr,
qui veut dire rappel littéralement. Zikrullah veut dire penser d'Allah, rappel Allah. Et nous te donne sur l'importance. Et aussi, nous te dit qui fait du monde parfait Zikrullah Azouzi. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention qui parlait sur les enfants et sur les casse, détourne, distrait les autres depuis Zikrullah. Et ban qui fait ça, c'est ban khasiroun, c'est ban payant. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'occasion là pour faire ça Zikrullah là. Et longtemps, quand nous pétons dire ban grand dimoun, il peut dire il va faire Zikar là. Peut-être nous mettons sur l'importance. Al faire Zikr est une grande importance. Et c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui nous fit mentionner hier, quand il vient avec ce tifi qui appelle Fatima, Fatima radiallahu anha, toujours nous apprenons, nous augmentons connaissance. Fatima radiallahu anha, un parmi les tifi de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore les autres tifi, ça n'a qu'à dire un nom là-dedans. Encore les autres tifi. Hein? Zainab, alhamdulillah, là augmente connaissance. En le temps encore. En le Ruqayya, alhamdulillah, bien bon. Un dernier. Om Kulthum. Quatre tifis d'ici là. Ça, trois tifis là, Om Kulthum, Zainab avec Ruqayya, je fin mot avant qu'ils je papa mot. Avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seul Fatima radiallahu anha qui fait le mot après l'amour sur papa. Il fait témoin l'amour sur papa. Et c'est même Fatima radiallahu anha qui fait le mot avec, ça la connaît? Avec ce cousin, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce cousin qui s'appelle Ali radiallahu anha. Et Allah te donne deux enfants, Hassan avec Hussein. Salut la famille, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc papa là, en tant qu'un papa, lui dit avec ce tifi, lui envie du bien pour ce tifi, qui quitte chose qui empêche toi pour écouter un conseil qui me donne toi. Le hadith qui nous fait étudier hier. Et nous t'expliquer qui l'avantage et qui sagesse est là, là quand un papa cause dans sa façon là avec ses enfants. Qui quelque chose qui empêche toi pour prendre conseil qui m'obéit à toi. C'est pas en colère qu'il me rodé là. C'est mon plus envie de l'attention, mon petit fille. Parce qu'il y a quelque chose qui m'obéit à toi là, il y a beaucoup de profit là-dedans. Mon papa dit à toi, ça entend si c'est un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, m'obéit à toi, ça en tant qu'un papa, parce que je voulais dire bien pour toi. Et là, nous arrêtons un coup de nous dire, Allah Ta'ala, fin donne-moi un petit fille dans mon lacase. Fin donne-moi un garçon dans mon lacase en tant qu'un papa. Combien de fois je donne conseil aux enfants, aux bêtas, aux tifis. Et nous te dis ça, issue là, hier, quand il y a des gens là, mais tu n'as pas fait un zikar, pas gagné les temps, pas trouve toi du tout, bloqué. Est-ce qu'il vous servir même prétexte pour dire qu'il n'a pas gagné les temps de dialoguer avec aux enfants, pas même un conseil ou pas gagné les temps pour dire lui? Assisé à table, pour iftar ou bien pour serrer, profiter ou dire les bons conseils, pareil comme papa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire ce tifi Fatima radiallahu anha. Et il dit, dire une petite chose le matin et le soir. Et quand nous pouvons zikr, meilleur pour faire zikr dans le dialogue mauricien, c'est tout de suite après Fajr là. Après Fajr, entre Fajr avec soleil levé, mais il y a l'air pour faire ban azkar, ban zikr. Et il y a même ban savant qui finit dire, les pires ici pour même après soleil levé, un dimoun n'est capable de faire. Et il y a même certains ban savants finalement un peu plus, il dit non, même après Zohar, un dimoun n'est capable de faire azkar, même après Asar, n'est capable de faire azkar, même après Maghrib, n'est capable de faire. Quand on peut dire azkar le matin, on veut dire après Fajr. Entre Fajr et soleil levé, quand nous dit Azkar le soir, le commencer après Asar, après Maghrib, etc. Et il y a un Azkar spécifique que le prophète vient montrer. Dans Zikr qui nous finit dire hier, il y a certains bons savants appelés Dua ul Makroub, al Karb. C'est quoi ça? C'est. Connais qu'un dimoun sur tension montée. Comment les ressentis? Les coupés, senti la veine, les coupés gonflés, dissemper monte dans la tête, il senti un saut, un coup de montée, il a dit un taclif, un bouleversement, un tracas. Dans un moment de tracas,
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux ressentir la tête fatiguée, problème, tracas, ce umma, tracas, kafir, peut faire des dito. Tout ça, à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux demander sa dua-là. Donc, nous, comment nous appliquons dans nous la vie? Vous connaissez n'importe qui chose qui fatigue nous la tête. On a fait un test de ça, on a un résultat, créatine faux. On a un résultat, il y a une petite trace de diabète. Il y a un résultat, ou bien commence à boire médecine, cholestérol. Demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Commence à lier sa dua-là. Et comprend quand nous pouvons lier. Comme ça même, au senti où, mon apprendre pour l'examen, mais c'est mon petit tracas. Comment question pour sortir? Quelle qualité question pour vous là pour donner? Demande sa dua-là. Mon petit tracas, est-ce qu'il est capable de prendre ça aux indimounes dans mon vie pour moi le marier? Demande sa dua-là. N'importe qui petit problème peut fatiguer, la tête peut fatiguer, ou d'un taclif, demande sa dua-là. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Oh, c'est lui qui est vivant. Et il aime t'expliquer c'est quoi un vivant. Nous dire que toute créature qui fin prend naissance, et n'a ce date qui est pour moi. Zis Allah subhanahu wa ta'ala, qui est vivant pour tous les temps. Zis Allah subhanahu wa ta'ala, qui est vivant pour tous les temps. La cause qui nous peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala en servant ce nom qui est plus joli. Et nous te donne l'exemple encore hier, quand ou on vit une petite chose sur place avec ou madame dans la case, ou pas pour capable adresse d'une parole qui dure avec sévérité. Vous allez dire, couille encore au titan, non. Bien, passez un petit peu de plume, un peu mantec, un peu cubibi, là où vous allez couille au titan, couille pour couille. Comme ça même, quand on adresse avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous servit ce nom qui est plus joli. Hayyu, vivant pour tous les temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul qui n'a aucun manquement. Le mot qayyum veut dire en al-qa'im binafsihi, li tout seul, li prend chose. Quand nous dit un enfant, li capable de bouter, oui, mais arrivé parfois dans la vie, il fait ban chute, il fait ban erreur, il fait ban manquement. Donc, li tombe, li besoin de dépanne le so parent, li dépanne le endimoun de la vie. Endimoun, il a besoin de dépendre l'audimoun, il dépend l'audimoun. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul. C'est tout qui dépend l'audi. Nous montrer encore au début dans ce hadith-là, qui qualité pauvre, nous pauvres, nous réalise pauvreté qui nous était, et comment nous besoin Allah subhanahu wa ta'ala, en dressant non qu'il est plus content, plus joli qu'il y en a. Ya Hayyu, oh c'est lui qui est vivant pour tous les temps. Ya Qayyum, c'est lui qui n'a pouvoir le tout qui chose. Bi rahmatik astarif. Par ta grâce, m'opé demande-toi aide. M'opé demande-toi secours. Là, nous ne faisons éloge Allah, pareil comme il y a dans Suratul Fatiha. C'est pour nous qu'à sommeil et augmente connaissance. Suratul Fatiha qui rend dans le Coran. Quatrième ou bien cinquième? Ça n'a connu. Suratul Fatiha dans le Coran. Si c'est ça, dans le Coran les premiers, Alhamdulillah, dans tout le Coran les premiers. Dans tout le Coran, premier surah, c'est surah al-Fatiha. Combien ayat y en a? Le problème, ça. Hein? 7 ayat. 7 ayat. Combien fois nous lisons par jour? C'était pas compté. Hein? 48? Minimum, combien fois nous lisons par jour? 17 fois. Comment nous gagnons 17? Dans Fajar, nous avons 4, Zohar, nous avons 4 à la 4, Asar, nous avons 4, Maghrib, nous avons 3, et Isha, nous avons 4. Total, 17 à la 4 minimum, nous lisons Surat al-Fatiha. Dans Surat al-Fatiha, il divise à 2. Comment vous connaissez dans le hadith Qudsi? Qassamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah ta'ala dit. Les fins divisent surat al-Fatiha en deux. La moitié pour Allah subhanahu wa ta'ala, la moitié pour ce abd, ce serviteur. Qui est là dans la première moitié là? C'est éloge. Nous pouvons flatter Allah. Nous pouvons dire Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik.
etc. Ensuite, deuxième partie là, qui nous peut demander avec Allah là. C'est ce qu'on appelle dua. Nous dit, commence pas, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Dans sa dua qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire avec ce tifi Fatima radiallahu anha, dire le matin et le soir, sa dua là, ya hayyu, ya qayyum, bi rahmatika astaghith, astéla, le prophète demande dua là. Tant sa moula, aslihli. Aslihli, le mot salaha yasluhu, un mot arabe, et islah, lui veut dire littéralement bon. Mais comme on peut dire avec Allah, aslihli, redresse pour moi, récorrige pour moi, réperfectionne pour moi, mette-moi dans correct, mot qui te sauve, sha'ni, tout ban erré, manquement, faute, n'importe qui de chose qu'il y a dans moi. Moi, j'ai un problème après la mort, donne m'oublier ma zid. Voilà, redresse ça pour moi, voilà. Voilà, moi, j'ai un problème. Moi, j'ai content faire 180, des 170, 360 degrés après la mort. Je trouve trop beaucoup créatures des voilà. Je suis content d'admirer. Voilà, moi, j'ai un problème. En dehors de Ramadan, il y a un piquant dans la bouche. Je n'ai pas qu'à causer, excepté qu'il me jouerait. Voilà, mon problème. Je suis convaincu qu'il est bien couvert mon hijab. Pas orni, mon hijab, bien. Couvrir mon estomac, bien, islamiquement parlant. Mais seulement après Ramadan, je n'ai pas trop de gens qui ont attiré à moi. La cause, je me tire, je me développe, je me enlève. Voilà, mon manquement là. Voilà, mon manquement là. Pour football, 11 à soir, je vais arrêter. Mais si tu dis moi, 11 à soir, trappe Coran, lire, je vais sommeil à Allah. Mon manquement là. Voilà, mon manquement dans moi qui ne suis pas content à apprendre. Mais seulement la veille d'examen, je vais faire des efforts pour apprendre. Voilà, corrige ça dans mon manquement là. Qui fait? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit meilleure action, c'est une action qui t'iguite, mais seulement lui continuelle. Une action qui t'iguite, mais qui continue. La cause que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Mulk. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pan dit aktharu amala. C'est lui qui crée la mort et la vie. Il peut tester nous qui s'en a qui fait meilleure action. Il pan dit plus beaucoup action. Parce que dans quantity of action capable beaucoup zéro là-dedans. Mais par contre, quality of an action, qualité qui nous fait quand nous peut faire salat, même 10 rakat, même 5 minutes, mon demande doit, mais mon convaincu avec toute conviction, concentration, mon demande doit là, ça les plus profitable qui, en étant. Donc, nous retourner, c'est qu'il y a une action qui est un dimon n'y fait. Tikit mais continuel, il n'a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retournons avec nos hadiths. Quand nous dit aslih li sha'ni, corrige tout ban manquement qui est là. Fais-le vin bon. Redresse-moi la vie, wallah. Tout ça manquement qui est là, pas désespéré. Un robe qui crée nous, lui-même qui est capable de corriger ça, lui-même qui est capable de combler ça. Il faudrait qu'au moins nous reconnaître ça et là, ça manquement là, sa faute là, et là, m'adresse avec Allah. Parce que moi-même, si je fais mes efforts, je ne pas pour réussir, excepté par aide Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien convaincu là-dedans. C'est Allah seul qui peut aider moi. Je fais mes efforts, je demande Allah subhanahu wa ta'ala doit. À quel niveau je peux montrer qu'il m'a besoin Allah là? Ça qui est plus joli. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni. Redresse-moi la vie, wallah. Moi, envie un changement dans moi. Moi, envie continue couver après Ramadan. Moi, envie arrête tes bandes piquantes dans la bouche. Moi, envie continue faire mes 5 fois namaz. Moi, envie continue lire mon Coran. Wallah, tu me crées-moi. Moi, besoin toi, wallah. Toi qui vivant, toi qui n'a pas pouvoir le tout qui chose. Moi, puis adresse avec toi. Imagine bien. Un papa. Ensuite, un nabi qui peut donner sa conseil là, ce petit fil, hein. Dis-lui, redresse-moi la vie. Aslih li sha'ni.
Parce que moi, moi-même, si je fais ces efforts-là, je suis capable d'échouer. Je suis capable de pas réussir. Je gagne découragement. Satan vient attaquer moi. Et à quel niveau je montre qu'il m'a besoin de toi, ou Allah? Écoute sa bout qui. Sa phrase que le prophète sallallahu alayhi wa sallam servi là. Aslih li sha'ni kullahu. Mon la vie, pas juste une partie dans dunya, mon business, papa et moi aussi, ou Allah redresse mon la vie. Fait, non, pas juste ça. Dunya et kahira, tous les deux, mon besoin, mon cesse d'être là avec Allah. Et ensuite, Allah dit, wala takilni. Et n'a pas quitte-moi. Wala tatourkni. Pas quitte-moi, même pour un clin d'œil. Je veux dire, si mon bat mon lit, j'ai appelé un clin d'œil. Ça n'a qu'à dire, moi, combien de secondes il me prend là? Bat mon lit, écoute, combien de secondes il me prend? Pas capable de compter. Ya Rab, mon bisé toi. Oh Allah, oh celui qui est vivant pour tous les temps, oh celui qui n'a pouvoir le tout quitte chose, mon besoin toi, redresse ma situation et n'a pas quitte-moi. N'a pas quitte-moi, oh Allah, même distance, seconde un clin d'œil. Elle comprend. Guide ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, façon qu'il y compose sa do'ala. Ou amène un poète, ou amène n'importe qui écrivain, il fait. Ou Dieu lui compose un doa comme ça. Ou Allah, pas quitte-moi. Redresse ma situation. Même point de clin d'œil, ou Allah, mon père, attention, mon saillé, attention, mon égaré. Ou Allah, mon besoin de aide. Mon reconnaître qui aide là. Mon reconnaître ma pauvreté qui m'est incapable. Dis-toi, oh Allah, qui pour capable redresse ma situation. Ma situation dans ma famille. Beaucoup de taclif, frère, pas cause de c'est pas cause de frère. Mon situation dans ma famille, mon monsieur pas prend compte des enfants la case. Mon situation dans ma famille, mes propres enfants pas écoutent moi la case. Mon situation dans ma famille, mon pas fréquente mon maman. Ramadan, il rentre, mon pas fréquente mon maman, mon papa. Mon situation dans ma famille, mon propre petit pas respecté et ne m'amène papa. Tout saute qualité problème. Retourne au verset de Allah. Quand vous pouvez lire, comprend. Et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finançant ça, certifie le matin et le soir, faudrait qu'il y ait une grande importance, chers frères et sœurs. Ya Hayyu ya Qayyum, ô celui qui est vivant, ô celui qui n'a pouvoir de toute chose, bi rahmatika astarith, porte grâce. Moses secours, Moses aide. Aslihli, sha'ni, corrige-moi, redresse-moi, perfectionne-moi quelque chose. Et pas quitte-moi, même pour un clin d'œil. N'a pas délaisse-moi, même pour un clin d'œil. Distance, fraction, seconde pour un clin d'œil, parce qu'il m'a besoin de toi, oh Allah. Voilà dua, zikr, zikar, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finançant et certifie pour lire le matin et le soir. Nous disons Allah subhanahu wa ta'ala doa. Ya Rab, vraiment, dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle parfait. Oh Allah, pour l'indun, sa conseil là certifie, c'est faudrait qu'il y ait l'importance. Aide-moi pour me capable donner sa conseil là, moi aussi, mes enfants, mes garçons et mes tifis. Oh Allah, aide-moi pour mémoriser. Pas veut dire qu'il m'a pas con arabe, m'a pas lié arabe, m'a pas pour capable mémoriser. Pour quand vous êtes même un nani, un daddy ici qui participe con servir portable, il peut faire selfie, il peut faire sur iftar, il peut mettre le sur profile picture ou bien le sur status ou bien le sur story. Ah ben pour un doigt qui composé de quelques mots, il a besoin capable à prendre. Cesse et avec Allah, mémoriser. Inch'Allah, demain nous get un coup, altérer nos mémoires. Nous guettons écoute à quel niveau, inshallah, maximum qui est capable de réciter et avec cette traduction, ça pourrait avoir plus d'avantages. Alhamdulillah, nous avons facilité Internet et nous avons lu l'Internet et nous avons lu en traduction anglais-français. Vous êtes capable d'écouter et inshallah, demain nous terminons sa doa et nous guettons le dhikr que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finançait ce ummat et ça y applique pour nous aussi, inshallah.
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله. وبركاته.